aujourd'hui on va revenir sur les soldes, tout ça, donc j'en ai fait en tutu, un peu. C'est pas, on fait pas énormément parce que j'en fais toute l'année. Donc on va commencer avec les accessoires de beauté et après on passera à la couture. Donc j'ai commencé par acheter ça. Alors c'est un stylo qui fait crayon ou liner, je sais pas comment ils appellent ça. Alors, un crayon noir liner que j'ai pas testé. Et là, une ombre à paupières en stick. Alors, si vous voyez pas très bien la couleur. Voilà. C'est un peu un rosé. Il était à moins 70%, il me semble. Là, c'est un stylo à ombre à paupières. Il est comme ça. C'est la couleur Nuit Edge. Et elle est comme ça. Donc c'est Anocibé des soldes que j'ai fait. Je précise. Donc un vernis qui était pas en solde. Hein. C'est la couleur 32 Cozy. C'est un peu un taupe très pâle. Nous avons ça. Alors j'en avais déjà testé un cet été qui avait fonctionné. Puis je me suis dit j'allais en reprendre un après les fêtes, tout ça. C'est un concentré masseur. Pour le corps, c'est une crème. Appliquée, moi je l'applique matin et soir. Et il est à moins 70%. Et j'ai acheté ça aussi, c'est des... C'est des perles pour le teint illuminatrice, donc c'est comme ça à l'intérieur. Le petit plastique. Et les petites boules. Et c'est comme ça. Voilà. Ça illumine quoi. J'aime bien le concept, la petite boule. Vous voyez très bien. Et puis j'ai fini par acheter ça. Donc c'est trois petites palettes. Avec des couleurs un peu. Alors, on va commencer par celle-là. C'est la palette Silver Palette. On a ces six couleurs là à l'intérieur. J'aime bien celle-là. Celle-là. Puis... Donc le lot de trois palettes est à moins à 6,47€ au lieu de. Il y avait moins 50%. Après nous avons celle-là. C'est la Gold Palette. Ma préférée d'ailleurs. Je remets le film. Cette boîte de rangement est très bien aussi. Et donc la dernière, c'est la Rose Gold Palette. Les couleurs sont comme ça. Très belle d'ailleurs. J'ai juste testé la Gold Palette, c'est tout. Très pratique le rangement. J'aime bien. Donc bon, on va. Donc je vais passer. Donc je range ça. Donc c'était avec ma carte cadeau que j'avais eu à Noël. Parce que j'ai jamais ça aussi. Juste l'occasion. Après on va passer au tissu. Donc j'ai acheté ce tissu là. Il y a des petites encres, Marie. Ou des. Non, plutôt des cactus, excusez-moi. Donc c'est pour. Je crois qu'il y a 2,20 m. C'est pour faire une chemise pour enfants.
J'ai acheté des boutons, forcément. C'est des petits boutons comme ça. Ils sont bleu marine. Il y en a 10. Donc un mondial tissu. J'ai acheté une pince à œillets. Alors j'en avais une en plastique, mais j'y arrivais pas. Je me suis dit une pince à œillets en métal. Ce sera plus pratique. Ça a 3 euros en Cora avec les. Et j'ai acheté donc ce tissu-là. Alors c'est des feuilles. Tissu un peu décoratif. C'est pour faire ma housse de tablette. Alors, il me semble qu'à 1m50 ou 2m, mais je ne sais plus. Voilà. Alors, dans. Bon, là, la vidéo sera normalement publiée mercredi, si tout va bien. Il y en aura une autre dans la semaine, je vais essayer d'en mettre deux cette semaine. Quand vous verrez cette vidéo, normalement, je serai donc sur un nouveau, pas projet, mais sur quelque chose de nouveau que j'avais envie de tenter l'expérience depuis un petit moment. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, une fois que ce sera fait. Mais... Donc voilà, donc c'est un nouveau projet, j'y pensais depuis un moment, je me suis dit, 2018 va avoir des changements, je le fais, qui ne tente rien à rien, donc voilà. Sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée, à la prochaine!